Caméra PC numéro 10. L'intérêt de cette caméra PC, c'est de faire savoir aux émulsariques, toujours aussi transis d'impatience pour tout ce qui peut concerner leur guide, à savoir les Sectis Adorem Rectum, qu'à compter de demain, le cadet 10e, Kevin M, va avoir, comment pourrait-on dire, il va avoir la joie, le plaisir, de recevoir dans la maison de Sylvie T. et de Michel M, accessoirement la maison dans laquelle demeure jusqu'à présent Kevin M, son amie de Finlande, Raisa R. Enfin, que dire de plus là-dessus? Ni sa mère, ni son père, à savoir Michel M, n'avons déjà bien sûr rencontré Raisa. Nous avons vu une photo d'elle, mais à peine, c'était très très succinct. Nous pouvons l'apercevoir sur l'une des vidéos capturées par le magnifique appareil photo de Kevin M, que son père lui a offert pour son Noël 2009-2010, sur laquelle la vidéo, qui était, qui plus est, qui a été mise sur la chaîne YouTube de Kevin M et qui s'appelle Gunther. Et a priori, il y a sur le Bessard un raccourci sur ce domaine, en domaine. Bref, donc elle vient pour 15 jours, ici même. Alors, les conditions d'accueil sont tout à fait honorables, même si les parents de Kevin M ont une vie un peu particulière. Par exemple, ce soir, Sylvie T est partie guincher chez ses amis portugais, du côté des Mureaux, une fête de 100 personnes, un truc hallucinant pour les 2 ans d'une gamine. Voilà. Et ce soir, donc, les Sars, père et fils, se retrouvent entre couilles. C'est évident que le rhum et le Coca-Cola vont couler à flot, mais on peut subodorer que Kevin M va se méfier du fait que demain, il doit faire bonne figure pour l'arrivée de sa dulcinée. Donc, c'était ça la principale nouvelle, le truc vraiment important à signaler. Pour le reste, a priori, Marc V est à nouveau allé dans son appartement de Vincennes, car il se décide enfin à s'en occuper. Alors, comme les émissaires ont pu le voir il y a une semaine, Michel M s'est prêté à prêter sa puissance physique pour l'otage du sol pourri qui avait été cloué et ou agrafé sur le parquet. Pendant que José, bien sûr, PGDF, José faisait le malin. Et là, a priori, ce samedi, Marc V était supposé enlever la baignoire, enfin desceller la baignoire et le lavabo, sachant que lundi, c'est le passage des monstres du côté de Vincennes. Alors comme pas tout le monde le sait, le passage des monstres, ça veut dire que ce sont les encombrants. Et donc, c'est une bonne chose de faite, n'est-ce pas? Il est possible que le nombre de donc soit tout à fait remarquable, mais c'est une habitude hein, chez Michel M. Les donc sont aussi courants que les jonques au Vietnam. Voilà, bon, sinon tout va bien. Marc V, petit à petit, intègre son appartement, son futur appartement. Michel M n'a aucune nouvelle de la mairie de Paris, qui doit lui fournir un numéro de demandeur de logement social. Et oui, c'est comme ça qu'on dit. Ils ont 30 mois pour répondre. Le dossier est parti le 30 août. Donc voilà, ils ont encore quelques jours pour répondre. On verra bien, sinon rien ne presse. Quoi d'autre? Il y a plein plein de choses.
Et à la limite, quand il y a plein de choses, ça sert à rien d'en parler puisque tout le monde s'en fout. Ouais. Alors, caméra PC pour caméra PC, 5 minutes 14, c'est déjà pas mal. Alors, oui, torpille, il y a toujours des petits soucis. Hein. La chaîne de Michel M a vraiment du mal. Alors, est-ce que c'est dû à l'âge ou est-ce que c'est dû au fait que ses maîtres ne sont pas tout à fait à son écoute? Mais le nombre de problèmes a tendance à s'accroître. Elle a 8 ans, durée de vie estimée 12 ans, maximum 13 ans. Donc voilà, elle a encore mal à une patte, c'est très agréable. Et on a surtout l'impression que les vétérinaires sont des petits rigolos. Parce que, bien qu'ayant changé de vétérinaire, il s'avère que, encore une fois, le remède apporté ne correspond pas au mal enduré. Michel M pensait qu'une collerette serait la meilleure des solutions pour éviter que ça perdure. Or, il était juste question de mettre de la bétadine, et puis c'est minable. Un chien qui a mal à la patte, il se lèche la patte. Et la seule façon pour l'empêcher de le faire, c'est de lui coller une collerette. Une collerette, c'est nul. C'est pénible, mais au moins pendant une semaine, et ben, au bout d'une semaine, la plaie se guérit vite. Car il faut savoir que les plaies canines, probablement aussi les plaies félines, de manière générale, les animaux, hein, se guérissent plus vite que chez les êtres humains. Voilà. Caméra PC un peu particulière, parce qu'il semble que Michel M soit un petit peu en verve, limite taré, mais ça c'est habituel. Et il est temps d'en terminer. Donc ce soir, les Michel M vont peut-être se faire deux ou trois épisodes de Burn Notice. Très bonne série américaine, sans prétention, qui se prend pas au sérieux, marrante comme tout. Et la suite au prochain numéro, quand, on ne sait pas, mais où, on imagine.